Allez, salut à tous, bienvenue sur le live. Aujourd'hui, on va essayer de terminer Blood, Fridge Supply. Donc j'espère que ça va bien se passer. Déjà, en tout cas, les autres chapitres étaient vachement cool. Donc on est parti. Vachement cool, mais dur quand même. Il y a des passages où j'ai pas rigolé. J'ai pas rigolé du tout. Allez, c'est parti. Aïe, 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 piquez les fesses. Salut Serviette, comment tu vas, mec? Ça va, t'as passé un bon samedi hier? Enfin, la journée, je t'avouerai que moi, elle est passée ultra vite avec le coup du déménagement. On a fait quelle heure? On a fait 13h15 et 21h30, je crois que j'étais chez moi, quoi. Quand je vous ai envoyé le message, quoi. T'imagines? Ah, tiens, ils ont les capuches vertes maintenant, eux. Ah, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos partout. J'ai mal au dos, au bras, donc là, tu vois, je suis dans une position où je bouge plus. Ça y est. Putain, par contre, ça me fait chier parce que j'ai pas d'armes, quoi. J'aimerais bien choper un... Putain, j'ai pas l'air con avec ma fourche, là. En général, ils te mettent toujours un flingue dès le début du jeu, mais là... Je suis un bloc, ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça, quoi. Là, j'ai l'impression vraiment d'être un bloc, de plus pouvoir bouger. Plaque, plaque. Bon, est-ce que je vais avoir autre chose que de la fourche Good, bad. I'm the guy with a gun. Enfin, quoi. On va pouvoir commencer à parler, là. Aïe. Je sens que je vais en chier cette dernière mission là. Et voilà. Super. Everybody loves somebody sometime. Not me, baby. Good, bad. I'm the guy with the gun. Voilà, nickel. Et leur cours après normal. On va essayer de choper un mec de loin comme ça, quoi. Alors, t'as avancé sur le serve? Putain. Je m'en prends plein la gueule, là. Ah non, je pensais que c'était mitraillé. Mais... Voilà, même pas rien, ça va, ça le fait. Heureusement que je les ai vus. Ah, ça y est, le serveur est off. Il y a plus d'argent. Ça y est. C'est fini. Et c'est bien, ça va pouvoir faciliter les choses, mettre à plat ce qu'on a à faire. Ah oh, putain, foiré. Oh putain, il va me tuer. Voilà. Oh putain, ça me saoule. Everybody loves somebody sometime. Not me, baby. Good, bad. I'm the guy with the gun. Bon, allez hop. À toutes.
I need a key. I need a key. Je sais pas si j'en ai touché un. Ah yes. I need a key. Il est parti ce con, putain. Ouais, j'ai plus rien. Allez, brûle. Voilà. Incroyable quoi. Je vais sauvegarder parce que sinon j'ai jamais avancé. Voilà, bien sage. Je savais même pas que je vais récupérer des balles, pour moi je suis dead. Début, c'est pas la peine. I need a key. Le con s'est tué tout seul. Ouch. Ok. I need a key. I need a key. Alors, est-ce que j'aurais pas raté quelque chose? Y'a rien dans les caisses? Non, pas de déclenchement. Non, pas de déclenchement. Pas de porte qui s'est ouverte là. Que dalle. Là. Ah ben oui, j'en viens. Forcément, ça peut pas être là. Hein. Mmh, mmh, mmh.
Ah, ça y est. C'est le moment où je tourne en rond jusqu'à ce que j'arrive à trouver la solution. Oh, petit bonus. Petit bonus caché derrière l'étagère. Derrière la Billy Ikea. Ah putain, quoi, les Billy Ikea, laisse tomber. J'en ai déménagé 4 hier. Et je vais en déménager une, deux. Ouais, deux grosses. Et je crois 5 petites. Pour mon déménagement. Ça va être fun, fun, fun. Ah, bah c'est la fin du niveau déjà. Très bien, ça c'est fait. On n'en parle plus. Voilà. Ok, y a rien. T'as loué un camion pour tout mettre? Alors normalement j'ai vu avec mon père il m'a dit te casse, te prends pas la tête, quoi qu'il arrive t'en auras un. J'ai dit bon, ok, c'est gentil, merci. Donc du coup j'attends. J'attends, du coup plus de nouvelles de mon père. Tant je regarde les papiers, mon père il m'a déshérité, il a changé de nom, je sais pas. Je sais pas du tout, on verra bien. Non, non, j'abuse, j'abuse. Salut Firewolf, comment tu vas mec? Bon samedi toi aussi, tranquille. Ça a été. Ouais, normalement on devrait avoir un camion pour tout transporter quoi. Mais ça va, on a tout empaqueté quoi. Ça y est. Après les trucs qui restent, c'est genre le PC, tu vois l'écran, les conneries comme ça quoi. La vaisselle. Mais ça va aller vite ça. Ça va aller vite, de toute façon il nous reste encore 2 semaines. Donc ça va quoi, on devrait s'en sortir quoi. Je pense que le plus chaud ça va être vraiment la dernière semaine, où on va finaliser, où on va vivre dans un semblant de rien du tout. C'est ça, ouais, à mon avis ça va être le truc. Il va y avoir plus que le lit et c'est tout quoi. On jouera avec les téléphones, c'est tout. On vous regardera tous streamer quoi. Parce que de toute façon ça va être ça, hein. Je vais regarder tout le monde streamer pendant un bon gros moment. Hein. Vu que j'aurai plus internet. Ouais, ça va, Firewolf, tranquille, écoute. Ça va, ça va. Ce que je disais à Serviette, quoi, j'ai un petit peu du mal à bouger à cause du déménagement de hier. J'ai fait pour un pote. Et après, ça va, quoi. J'ai dit, putain, t'es un enfoiré. J'ai dit, tu m'as fait faire le sport de l'année, quoi. J'ai dit déjà que j'en fais pas du tout, alors. Alors, no admittance. On va passer. Ah d'accord, eux ils ont des fusils électriques les bleus. Les verts c'est des lance-roquettes. Des lance-grenades, pardon. Et dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Je gaspille des balles. Va là là, va là là. Hop. Ce matin, je me suis levé, j'avais pas de Kellogg's. Aïe aïe aïe. Putain, j'étais mal, j'étais pas bien. Putain, j'y crois pas, il est derrière le truc. Voilà, reste là-bas. Ah, d'accord, maintenant il y a des plantes aussi. Ouais, t'as déjà prévenu pour changer le gaz et l'électricité, car ma mère, il y a quelques années, quand j'ai déménagé. Du coup, change le gaz, électricité, ils ont dit ok dans 3 semaines alors qu'on déménageait 5 jours. Ah ouais, non, putain. Ouais, non, il va falloir que je m'en occupe. Là, j'attends demain et. Demain, là, de toute façon, je bosse pas, moi. Je reprends que mardi. Donc, je vais m'occuper de la boxe et de résilier même l'assurance de la maison, etc. Pour pouvoir mettre. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est des mini-moi! C'est des mini-moi! D'accord, merde, j'ai tué des mini-moi. J'ai cassé le miroir. Ah! Qu'est-ce que c'est ces trucs? Putain. Casse-toi, casse-toi. Ah mais en plus ça me tire dessus quoi. Putain, j'allume quoi. Et oui, je sais que c'est des petits mois quoi. Normal quoi. Oh putain, maintenant il faut que je me batte contre ce genre de truc. C'est sérieux?
Ah merde, du coup, pas de gaz pendant 3 semaines. Bah ouais, ça a dû être ça, quoi. Ça a dû être ça. Là, tu peux pas te chauffer, tu peux pas chauffer l'eau. Si en plus t'as une gazinière qui marche à gaz et pas électrique, et bah tu vas dans l'os. Quoique après, si t'as pas le gaz, tu peux pas brancher des bonbonnes de gaz quand même. À l'arrivée de gaz. Ouais, mais t'es au mois de mars, du coup on a vécu quelques semaines chez une amie à ma mère. Mais tu pouvais pas acheter des bonbonnes de gaz, mec? Pour pouvoir te chauffer tranquille. Tu branches à l'arrivée de gaz, c'est fini, quoi. Et ne me dis pas que les bonbonnes de gaz n'existaient pas à ton époque, je te croirais pas. Non, non, mais ouais, là, il y a quelques trucs qu'il va falloir que je m'occupe demain. Pardon. Donc voilà, on verra, quoi. Et du coup, ça me fait chier parce que... Il va falloir que j'appelle Bouygues, Free, Orange, enfin tout le monde là. Et que je voie qui a le meilleur. Qui a les meilleurs tarifs pour de la merde en fait, quoi. La dernière fois, le mec de Bouygues au téléphone, il m'a soutenu que la VDSL c'était meilleur que la fibre, quoi. Le mec, j'avais envie de le tarter, quoi, au téléphone, quoi. J'ai dit, te fous de ma gueule ou quoi. Puis de où t'as vu que la VDSL c'était mieux que la fibre, quoi. Alors du coup c'est normal que la fibre soit plus chère que la VDSL. Ah oui mais c'est parce que... Allez hein. Ah non non non, je déconne pas du tout quoi, c'est exactement ce que le mec m'a sorti au téléphone, hein. Je t'assure. Il a osé me sortir ça quoi. Il m'a dit ouais mais moi je préfère la VDSL, ça passe par le téléphone, c'est plus stable et compagnie quoi. Mais quel rapport avec la stabilité quoi. Tu comprends que la connexion, il y en a plus qui arrivent dans ton PC au bout d'un moment. Non, je sais pas, le mec il avait pas l'air... Je sais pas s'il travaillait vraiment à Bouygues Télécom quoi. Ah mais franchement... Non mais de toute façon je sais que ces gens là, c'est tous des trous du cul quoi. Ça je le sais, c'est... Maintenant quand je les appelle, je les prends pour des cons au téléphone. Je leur dis n'importe quoi. Ma meuf la dernière fois elle était morte de rire quoi. Le mec, je l'ai eu au téléphone parce que si tu veux, on a des coupures entre 15h et je crois 17h et quelques, quoi. Et du coup, la dernière fois, on était en train de regarder Ghostbusters et elle l'avait jamais vu, tu vois, elle était dégoûtée. Le film, il s'arrête en plein milieu, plus de connexion, plus rien, quoi. Et du coup, je les appelle et je commence à m'énerver, tu vois, au téléphone. Je commence à lui dire, ouais, c'est pas normal, on était en train de regarder Ghostbusters sur Netflix, ma femme, elle l'avait jamais vu, tata. Et le mec, il commence à lui raconter ma vie, tu vois. Je lui dis, alors, je sais pas, c'est peut-être des fantômes dans ma télé et tout. Je lui dis, vous pensez qu'il faut que j'appelle qui? Le mec, il est en PLS, parce que le truc qu'il y a, c'est que, je sais pas, quoi, il sait même pas parler français, on dirait limite, et c'est toujours pareil, quoi, même quand je veux faire des blagues, les mecs, ils savent pas quoi répondre parce qu'ils ont des phrases toutes prétirées et voilà, ils s'y répondent à côté. Les mecs, tu sens qu'ils sont tangents et ils peuvent se faire virer. Et voilà quoi. À un moment, je sais plus ce que je lui ai dit. Je crois que le mec il s'est vexé. Il a failli me répondre mal, mais il s'est retenu. Attends, c'est quoi que je lui ai dit? Parce qu'il m'a dit ouais, on va regarder. Les techniciens vont regarder votre ligne et compagnie. Et le mec, je lui ai répondu. Le mec, j'ai répondu, mais vous, vous êtes pas technicien, vous. Et tu sais, il a marqué un temps d'arrêt, il dit, comment ça, je suis pas technicien? Je dis, bah non, vous êtes pas technicien, vous. Vous êtes opérateur téléphonique, c'est tout. Je dis, vous répondez au téléphone et puis c'est tout, point barre, quoi. Je dis, après, c'est pas vous qui vous occupez de la ligne, c'est les techniciens. Elle me dit, mais comment ça, monsieur? Comment ça, monsieur? Disons, c'est technicien, moi aussi. Je dis, bah non, vous êtes pas technicien. J'ai dit, moi, je mets les mains dans le PC vite fait, je fais de la première maintenance. J'ai dit, j'ai le statut technique, mais ça fait pas forcément de moi un technicien. J'ai dit, donc vous répondez au téléphone, c'est pas parce que vous avez un truc prétiré que vous êtes forcément un technicien. Ah, mais monsieur aussi, je suis un technicien. C'est le mec qui s'est senti grugé dans son amour propre, quoi. Et pourtant, tu vois, je suis pas un enculé, quoi. Mais là, franchement, ils m'ont mis les nerfs.
Ils m'ont mis les nerfs, on les a appelés deux fois en même pas deux semaines. Et le mec en plus il se fout de ma gueule, tu vois, il se fout de ma gueule, il me dit que la fibre c'est genre pas assez stable, etc. Enfin arrête de me raconter de la merde quoi, au bout d'un moment, c'est bon, stop. Vous inquiétez pas, monsieur, j'ai mis votre dossier en urgence absolue. Oh, urgence absolue, parfait. Je suis très heureux. Et je vous recommande de venir chercher votre clé 4G, monsieur. Bien sûr. J'ai que ça à branler, un week-end, d'aller chercher ma clé 4G en plein centre-ville bondé de monde, pour te faire plaisir. Voilà. Or du coup, ça fait deux fois je les ai niqués, deux fois je leur ai fait commander des clés 4G, et je les ai fait mettre à disposition, et deux fois je suis pas allé la chercher, voire même trois ou quatre fois quoi. Tu vois, je réfléchis. Voilà. Parce que à chaque fois, bah, après 17h, la connexion est revenue, bien entendu. Donc... Balek, tu vois ce que je veux te dire? Ah, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et donc là, donc pour résumer l'histoire, vu que je déménage et que je vais plus avoir la fibre, je vais me retrouver avec de la merde et pour quasiment le même prix. Donc je suis un peu en colère, tu vois ce que je veux te dire? Parce que si tu veux, là où j'habite, on va dire que ça fait genre, tu vois, ça, c'est là où j'habite, d'accord? Eh ben la fibre, elle arrive. Ici, tout là, tu vois. Voilà quoi. C'est genre la fibre, elle sait pas que j'existe. Elle sait pas que ma prochaine maison existe. Run. Elle a fait tout le tour, tu vois. Moi, une fois, j'ai eu un appel pour l'isolation à 1€ alors que je suis en appart. D'accord. Alors j'ai bien niqué, je me suis tapé une barre. Ah, tu fais le raccordement? Ah merde. Mais elle va pas arriver bientôt? Ouais, bientôt. Bientôt, je pense. Bientôt, parce que c'est assez proche. C'est assez proche de là où on est. Et le truc qu'il y a, c'est que si tu veux, on va habiter dans un centre... ce centre animalier. Non, ce centre hospitalier, non. Non, on va habiter dans le centre d'un village, en bref, ancien, quoi. Donc c'est pour ça, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est que des maisons de village, quoi. Donc les maisons de village, avant que la fibre, elle arrive, voilà, quoi. C'est assez compliqué, quoi. Mourez. Ah, sur les squelettes, ça marche bien, la poupée vaudou, par contre. C'est one shot, quoi. Ça, je savais pas, ça. Oh, joli. Ouais, donc elle va forcément arriver, quoi. De toute façon, je suis pas pressé. Je sais que la maison que je vais avoir, là, je vais la garder pendant un bon gros moment. Donc, on a plein de choses à faire, plein de travaux. Enfin, plein de travaux, c'est pas vrai. On va dire qu'on va mettre la maison à notre goût. Voilà, c'est tout. Mettre la maison à notre goût, à placer du parquet, ranger 2-3 trucs. Sinon, la maison telle qu'elle, déjà, pour y habiter, elle est nickel. Putain, j'y crois pas, je vais mourir pour rien. Donc c'est déjà bien, tu vois, en termes de travaux et tout. Déjà, tu te dis, bon, ça va, quoi. J'ai pas grand-chose à faire. Par contre, ouais, je vais être obligé de passer par la case travaux, parquet, faire mon boulot d'homme, quoi. Ben ouais, faut se mettre bien quand on achète. Ben oui, c'est le but, hein. C'est vraiment, putain, la main, quoi. C'est vraiment le but. J'ai aucune pitié avec les mecs. C'est le but parce que, bon, là, tu fais un gros achat et tu dis, merde, si je prends pas soin de la maison... En fait, le but, quand t'achètes une maison, c'est d'arriver, au final, à faire de la plus-value dessus, quoi. Voilà. Parce que le jour où tu revends, voilà, de dire, ben, je suis tranquille... je fais de la plus-value sur ma maison, j'ai arrangé ça, donc voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Par contre, moi dans ma petite ville de 6000 habitants, il y a la communauté de communes qui fait une aide à l'installation de la fibre gratuitement. En gros, tu remplis un dossier et paf, au bout d'un moment, t'as la fibre. Sentir chez soi, putain, c'est cool, hein, c'est cool dans ta vie. Ça c'est bien ça, ouais, j'avoue que c'est sympa. Je vais voir et puis après il va y avoir la case aussi, il va rencontrer tes voisins.
Chose que j'ai plus envie de faire là-bas que ici. Parce que ici, c'est pas des voisins, c'est des connards, quoi. Faut dire ce qu'il y a. Marseille, les gens, ils vivent tous dans des immeubles. Et personne ne se voit, personne ne se parle. Et c'est limite bonjour dans les escaliers, et encore. C'est tout le monde a peur de tout le monde, c'est n'importe quoi. C'est, Alors c'est pour ça, retrouver un peu de vie de village, tu vois, des trucs comme ça peut être cool. Sans, c'est ce que je cherche. Enfin, tant je dis ça, mais tant j'idéalise l'endroit où je vais aller, donc je préfère pas me faire des plans sur la comète. Peur d'être déçu, tu vois. Je dirais, ah, c'est le pays parfait, l'endroit parfait, pardon. Ouais, parce que le pays, je change pas de pays, en fait. Même si j'en aurais envie. Oh putain, j'ai pensé à toi, Serviette. Il y a un film Netflix qui est sorti qui s'appelle La Petite Suisse. Cash, j'ai pensé à toi, j'ai dit, oh putain. I need a key. J'espère qu'il l'a vu, quoi, parce que... Je crois que c'est des Basques ou des Espagnols, un truc dans le style en plus, quoi, qui sont Suisses. Et forcément, bien entendu, ça parle cash de paradis fiscaux d'entrée, quoi. Oui, un après l'autre. Et t'as regardé du coup ce que je t'ai dit hier sur Discord, le truc avec l'extraterrestre? Ah putain, j'ai surkiffé. Hein. C'est dommage parce que je pensais que c'était une série à la base. Pas un film, tu vois. Bon, le film était, soit dit en passant, bien, tu vois. Mais j'aurais pensé que ça soit une série plus. Après, peut-être que si ça marche bien, ouais, ils vont le tourner en série, quoi. Bah, j'ai trouvé, mais j'ai pas Netflix, donc je dois le download. Ah, bah, tu verras, bah, il est pas long, hein, je crois qu'il fait 1h40 et quelques, je crois. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, je vois à peu près ton humour, normalement tu devrais kiffer, quoi. Son of a bitch must pay. En plus, c'est fait par Nickelodeon, donc c'est cool, c'est vachement cool. Il y a un moment dans le film, tu verras, ça part complètement en couille, et je te dis pas pourquoi ou comment. Et en fait, si tu veux, t'as plein de styles graphiques qui se mélangent. Et en fait, en bref, on te montre comment aurait pu être la série, avec d'autres styles graphiques, et où notre manière de faire la série, c'est énorme. C'est super bien foutu, tu vois que les mecs, en fait, ils maîtrisent vraiment leur animation, quoi. C'est super chaud, quoi. Je vais faire une sauvegarde, parce que depuis tout à l'heure, je parle. Non, non, mais ouais, en tout cas, super super film Netflix, très sympatoche, quoi. Attends, là, je fais les ninjas. Ouais, s'ouvre pas la porte? Non, s'ouvre pas. C'est pas grave. Après, j'ai pas trouvé autre chose sur Netflix qui m'est réellement plu en ce moment. Je trouve qu'il y a beaucoup de la merde, surtout. C'est un peu ce qui est dommage. C'est un peu ce que je regrette, payer un abonnement pour ça. Mais bon. Après, il y a un truc que j'aime bien mater aussi, moi, c'est les Teen Titans sur Netflix. Ça, c'est la folie, ça. L'animation, elle est cool. Les doubleurs, pareil, ils sont complètement ouf. Ah putain, je surkiffe tellement les Teen Titans, quoi. Pareil aussi, les épisodes, tu sens que... Les anciens Teen Titans... Non, c'est... Alors, ça porte le nom de Teen Titans Go. Voilà. Et c'est énorme, quoi. C'est vraiment de l'animation... vraiment sympatoche. Pareil, c'est toujours rempli d'humour. Et... Enfin, c'est énorme. C'est vraiment énorme, quoi. Tu sens que c'est fait avec la passion et le cœur, quoi. Vraiment, quoi. C'est, tu sens que les mecs derrière, ils s'amusent vraiment à faire ce qu'ils font, quoi. En plus, pareil, un épisode sur deux, tu vois que les mecs, ils testent des trucs en animation.
Genre, ils les font d'une manière différente, ou ils les font rencontrer les autres Teen Titans. Parfois, tu as Batman qui passe, qui fait des caméos. Il y a pas mal de trucs comme ça, c'est sympa, quoi. Mais genre, il fait toujours des caméos à la con, tu vois, avec de l'humour, quoi. Ouais, c'est ça, avec la tour en TG en... C'est tout à fait ça. Ah, je la trouve géniale, quoi. Alors, Robin, dedans, il est tellement énorme, quoi. C'est moi le chef. Je suis le chef. I need a key. J'ai un petit en avant. C'est énorme. Ah, tu vois, toi aussi, tu kiffes bien. Bon, là, ça y est, je tourne en rond. Donc, je suis dans l'étape acceptance. Locked. Je tourne en rond. T-E-E-N, Teen Titans. J'aime bien aussi la doubleuse de Raven. Il parle comme ça, tu sais. Je la trouve énorme, quoi. I need a key. En tout cas, c'est déjà mieux que la série Teen Titans de. I need a key. De DC qui est sortie. Bah, je sais pas s'il y est sur Netflix aussi. Mon dieu, je l'ai trouvé abominable cette série, quoi. J'ai regardé le premier épisode, je l'ai trouvé, mais nul, quoi. Enfin, ça correspondait absolument pas à l'image que j'avais des Teen Titans, quoi. Enfin, pour moi, les Teen Titans, c'est vraiment Teen Titans Go, quoi. Elle est gothique, donc ça passe. Putain, mais c'est clair. Alors, le must, c'est de regarder les cosplays de Raven sur Internet, quoi. Mais... Oh, les meufs. Les meufs qui se cosplayent en Raven, mon pote, quoi. Mais... Laisse tomber. Laisse béton, quoi. Une à une, devant moi, dépêchez-vous. Ah, putain. Bon, je suis bloqué, je rigole pas, je sais pas où est-ce qu'il faut aller, quoi. C'est hallucinant, quoi. Je suis complètement perdu, là. Putain, on peut pas passer, là. C'est chiant. I need a key. J'ai besoin de la clé, j'ai besoin de la clé. Ah. Comment vais-je faire exploser le mur? Comme ça. Petite clé. C'est tout? Tout ça pour ça? Tout ça pour un flingue? Oh putain, c'est un peu l'enculerie là. Tu te dis yes, j'ai trouvé un passage. Putain, ouais, j'ai jamais pensé à ça. Go regarder de suite. Ah, tu vas voir, c'est énorme. De cosplay, quoi, mais ouf. I need a key. I need a key. Je cherche toujours. Hein. Je cherche toujours la clé. Il me manque la clé squelette. Ah, peut-être ça. Fais voir. Non, j'en viens de là. C'est bon, j'ai la colle. Ah ben voilà. Voilà, un bon dimanche comme on les aime. Salut à tous. On est dimanche, et comme tous les dimanches, on va regarder des photos de cosplay ensemble. Ah ben voilà, ça y est. I'm not dead yet. Ils viendront jamais me chercher entre l'étagère et la table. Alors, maintenant, il faut trouver les portes où il y a le symbole. Ah, encore un mur à casser. Parfait. Je valide. Il y a un épisode aussi qui déchire des Teen Titans. C'est... Ah putain, avec le groupe... Comment c'est que ça s'appelle, le groupe BER? Mais c'est juste excellent, quoi. C'est un sorte de, d'épisode en 2-3 parties, voire 4. Et c'est un épisode avec de la synthwave, en fait, où ils partent dans le monde de la... De comment c'est qu'ils appellent ça? De la nuit? De la nuit éclairée ou un truc comme ça. Et c'est tellement énorme. Ciao, bon dimanche, mec. T'as une sorte de musique synthwave derrière, là, qui tue. Alors, je sais pas si l'on... poser eux ou si c'est vraiment le groupe BER, si le groupe existe.
Mais énorme, énormissime. Locked. Faudrait que je la trouve, je te la mettrai. Je te la mettrai en partage. Et moi je pensais que les Teen Titans ça s'était arrêté en fait. Et non non pas du tout. Pas du tout du tout, ça continue encore. Ça continue encore, il y a d'autres saisons qui vont arriver là. Donc c'est pas du tout fini, ça marche bien en fait. Ça marche super bien, ils continuent à faire des saisons. Donc voilà quoi. Par contre c'est vraiment la série que je regarde que en français quoi. Doublage en VO, j'y arrive pas. C'est pas possible, je déteste les voix en VO. Je les trouve pas terribles quoi, je les trouve plates. Ah ouais, non 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 non. Moi je te dis là, je les ai sur Netflix du coup. Et j'ai l'impression qu'il y a 20 milliards d'épisodes, 20 milliards de saisons. C'est énorme. J'ai vraiment l'impression que ça aura jamais de fin quoi. Et franchement j'aimerais quoi, parce que t'as l'impression qu'il y a une source inépuisable d'épisodes en fait quoi. C'est trop bon quoi, trop trop bon. Bon, parfois il y a quand même des épisodes qui sont lourds hein, au niveau de l'humour. Tu dis oh pff, bon ça va quoi. Mais ça va, ça arrive à bien se rattraper. Non non c'est pas fini du tout, il y a encore plein de saisons. Là je crois qu'il y a encore 2 ou 3 saisons qui sont prévues quoi. Bon après ça veut pas dire qu'elles se feront forcément, tu vois. Mais en tout cas, ouais il y a quand même encore du contenu qui devra arriver. C'est ce que j'avais lu sur Wikipédia ou je sais plus où, sur internet. Parce que du coup avec Laurent on s'était dit mais merde putain ça va jusqu'à combien et tout. Non non ça continue encore. Je suis pas passé par là tout à l'heure si. Non. Ta gueule toi. Ferme ta gueule. Mourez, mourez, mourez. Ah. Mais il est fou. Il est fou. Ouais, je vais pas arriver à le tuer. Et franchement, j'ai tellement pas envie de recommencer. Pose-toi, putain, chier quoi. Oh, le lance-roquette quoi. Il fait rien le lance-roquette, c'est chiant. Putain, dis-moi qu'il est mort. Yes, il est mort. Putain, connard. J'ai pas laissé des cœurs qui traînent. Je vais faire une sauvegarde. Obligé. Ah oui, l'air marin là. Ça fait du bien de bon matin là. Ça coupe un peu la chaleur. Là tu vois l'air marin comme ça, putain ça me donne envie d'aller à la plage là. Ah oui. Putain je pourrais m'endormir là avec l'air comme ça. Ça fait trop du bien quoi. Ah mais on peut passer par là. Ah ben voilà. Yes. Il sait que Duc 11h51. I
need a key. I need a key. Ta gueule. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Ah, du coup, il est sympa, merci. Ah, du coup, ils sont immunisés contre l'électricité. Les bleus. Parce qu'ils ont des flingues d'électricité. Donc, forcément, ils sont immunisés. Oh l'enculé. Comme il m'a grugé le bot. Bah, je sais même pas si on peut appeler ça des bots vu qu'ils ont aucune intelligence artificielle à part te tirer dessus quand ils te voient. Tiens. Meilleure arme du jeu quoi, poupée vaudou quoi. Je sais pas, il est où? Ah! Ok. Marche pas, marche pas. Ah, chouette! Combinaison de plongée, ça c'est cool. Il croit que je l'ai pas vu. Ok, bon ben plonger. Ah, je m'attendais à ce qu'on puisse réellement plonger, mais c'est pas grave. Ah, voilà. Voilà qui est bon. Ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Okay, là, je vois des potions sortir. Ok, donc c'est pas par là qu'il fallait aller, c'est pas grave. Oui, ta gueule, ta gueule, ta gueule. On en vient de là, non? Ouais, on en vient. Super. Oh putain, le truc de merde. Ah putain, comment je vais faire? Je sais, je m'étouffe. Je sais. Il faut trouver la bonne combinaison. Oh, ça, c'est le truc qui va me faire chier, ça. Est-ce que c'est ouvert la grille? Non, même pas. Même pas. Ah, c'est bien ça. Medikit. Medikit Power.
Comment ça marche? Putain, faut trouver la bonne combinaison bien pourrie, quoi. Supposer qu'il y ait une réelle combinaison, je sais pas. Quand ça fait ça là. Plus à chaque fois je m'étouffe, je suis en train de crever. C'est sûr qu'il n'y a pas un chemin, une porte ou quelque chose. Allez, vas-y que je m'étouffe. En plus, au plus tu t'étouffes, au plus tu vois rien. Clac, 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 clac. Je pense qu'il doit falloir ouvrir ça, là. Je sais pas comment l'ouvre. C'est par là avant de mourir. Ah putain, fait chier, j'ai utilisé tout le medikit. Il y a eu de l'air 5 minutes. Ah, là maintenant je suis en train de brûler sur la chaise. Du vent, ça y est. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre endroit qui serait ouvert dans le level peut-être? Je sais pas moi. Ah, c'est peut-être là. C'est peut-être ça au final. Oh putain. I need a key. Bon. Chacun son truc. I need a key. Ah, fais chier toi et tes clés là. Casse les couilles à tout le monde. Je savais pas qu'il pouvait nager, le cultiste. Première nouveauté.
Première nouveauté, les cultistes savent nager. C'est une blague. C'est une blague, les cultistes, ils savent nager, quoi. Tu te fous de ma gueule, quoi. Sérieux, quoi. Tout le monde a respiration illimitée sous l'eau, sauf moi, quoi, en fait. Si je comprends bien, quoi. Bon, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent sortir de l'eau, quoi. T'es revenu? Je prends ça pour lui. Oh, ça reste un secret. Cool. Oh, un gros poisson. Un gros poisson, un gros poisson. I need a key. I need a key. I need a key. Nous y allons, nous y allons. Ouais, détends-toi, je sais. Hop. Ok. Oh. Il est pas mort. Il fait semblant. Ah ben non. Il faisait pas semblant. Putain, on aurait vraiment dit pourtant. Mais comment tu fais pour voler dans un espace aussi réduit? Il est trop con. Il est dessus de moi là, putain. Qui est chiant. Mais qui est chiant? Ok, donc là... Vous ne passerez pas. ...165 de vie. C'est peut-être bon moment pour une sauvegarde. Yes. J'ai la clé des flammes. Oh. Il croit que personne ne l'a vu. Faisons comme si personne ne l'avait eu. Arrête de hurler. Voilà, sois sage. Ferme ta gueule. Ok. Et du coup, il y a quoi là? Rien. Il y a rien du tout. Il y a quoi là? Ah, va falloir que je fasse tout le tour. Il y a pas un autre. Oh non, je suis tombé. Non, je suis tombé. Ouais. Ouais. Et merde. Je suis encore tombé. Ouais. Ok. Ok. Là, je peux passer là. Mais... Ah, le mur invisible. Putain, fait chier, y'a un plafond invisible à chaque fois que je me prends dans la tête. Je suis deg.
C'est quelque chose qui ne devrait pas exister, ça. Voilà, tourne là. Voilà, très bien. Gentil. Très gentil de votre part. Eh bien, là, c'est pas ça. Il faut passer ici. Voilà. Non, je suis revenu au même endroit. Non. Hop, ninja. Ninja. I need a key. J'ai besoin de la clé. J'ai besoin de votre clé. Et pourtant j'ai chopé la clé de feu. Mais je sais pas où la mettre. Ah ben là. Voilà, par exemple. Ah ben voilà celle-là. Attends, on aurait même pas dit une porte. Oh, des mini-moi. Pleine de mini-moi. Putain. Tesla charge. Oui. Trop fort les mecs, trop fort. Oh, c'est un navire pirate. Yo-ho. Boum. Vas-y, fais tout péter moi. Boum. Ça y est, on est à bord du Samper. Larguez les voiles. Locked. Oh, locked. Locked. Oh. Locked. Now you're ready to sail for a whole new way, way, roll and go. Alors, est-ce que sous le bateau, il y a une clé ou quelque chose qui s'y rapproche? Non. Que dalle. J'aurais dû regarder s'il y avait une entrée sous le bateau. Locked. 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 Plouf. Toi aussi, trouve ton ascenseur. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est celui-là. Ah, bon. Il coule. Le bateau coule. Ah. Oh, c'est sympa ça. Oh, ça c'est très sympa ça. Par contre, c'est chiant. I need a key. Et voilà pourquoi j'aurais dû sauvegarder avant. Voilà, bon, c'est mort. Au plus je m'étouffe, au plus je vois plus rien. C'est vraiment le piège, quoi, ici, quoi. Tag. Locked. Ok. Sauvegardons. Je suis obligé là. Hein? That's all, folks.
Donc ça y est, là j'ai plus de quoi. Ah, la clé spider, je vois. Ouf, combinaison, nickel. Ça c'est bien ça la combi. Voilà, là je suis tranquille. Je peux faire my life. Je peux ouvrir des portes, je peux ramasser des clés. Je peux faire plein de choses, c'est cool. Oh, Tommy, Tommy. Voilà, 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 voilà. C'est trop cool, hein. Ah! C'est un miroir. À moins que. Ah non, non, c'est vraiment un miroir. Mais. Oh putain. Ah, j'allais dire, je peux pas sortir. Prends pour un con le jeu. Vous avez pas de vie, c'est pas possible. Ah, mais eux ils sont immunisés, putain. C'est bien, ils se sont tués tout seuls. Je sais pas comment ils ont fait, mais bravo. Je sais pas ce que c'est qui a pété, mais. Alors maintenant, go à l'endroit de la ville. Voilà. C'est bon, je me suis soigné parce que. Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, non. Pas ça. Ben, jamais ça meurt, ça rien. Mais. Connasse. M'a mordu les fesses. Okay, sauvegarde quand même, on sait jamais. Hop. Dis-moi que c'est la fin du level. Ah, d'accord, on est revenu là, très bien. Pouf. Oui. Ah, oh, j'arrive pas à ouvrir la bouteille, putain. Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Abusé, quoi. Je réponds juste à un message, j'arrive. Ouais, c'est un Doom-like, ouais. C'est un Doom-like qui est dans la même veine que Quake, etc. Enfin, plus Doom que Quake.
Et vous croyez que les débuts c'était comme ça. Quoique, Quake, je me pose la question de savoir si c'est pas. C'était pas différent quand même, quoi. Normalement, non. C'est plus comme Doom, Shadow Warriors. Là, il y a un jeu qui est sorti en Doom-like comme ça, qui est Yon Fury. Qui avant s'appelait Yon Maiden. Et qu'ils ont été obligés de renommer parce que le groupe Iron Maiden leur a fait un procès, quoi. Véridique. Oh, c'est pas le bon moment pour une sauvegarde. C'était des... C'est moi ou j'ai bugué? Non. Si je l'avais su avant ça, j'aurais fait carnage. Heureusement que j'ai sauvegardé. Ça c'est la petite enculerie du jour. Okay, bon, tac, tac, tac. C'est bien la chaîne. On est grand. Wouah, tout ce qu'il y a. Ça j'arrive pas à sauter jusqu'à là-haut, t'es sérieux? Ah quand même. Ah, peut-être un peu plus dur là quand même. Je peux y arriver je pense mais... Ouais c'est bon. I need a key. Ça a marché. À mon avis, je pense que non. Toujours vivant ce con. Voilà. Ça pue là aussi, quoi. Ça pue trop pour que je sauvegarde pas. Adieu. Adieu aussi.
increvable. Eh ben... Putain... Aragog. Aragog, c'est dans quoi ça? C'est dans le Seigneur des Anneaux? Non. But. L'électricité, ça pardonne pas. Non, c'est la peau d'Hagrid dans Harry Potter. Ah, d'accord. Je connais pas assez bien Harry Potter pour ça, quoi. Autant l'univers, je le trouve attrayant, avec le coup des maisons différentes, etc. Les sorts, la magie, mais autant... En fait, ce qu'il faudrait sur Harry Potter, c'est un film mature, un vrai film, quoi. Faudrait, c'est ça, quoi. Qu'on ait plus un film avec des adolescents à la con, là. Un vrai film avec des adultes. Allez, hop. Bon, je me demande si on n'est pas au niveau avec le boss, là, quand même. On en est au troisième ou quatrième monde, là. Ouais, j'ai bien l'impression, là. Peut-être d'en rester un. Hein. D'en rester encore un. Oh, la méchante gargouille. Je vais complètement l'ignorer. Je vais gaspiller des sous pour rien. Failli avoir danger, hein. Il a failli. Alors, tout la poupée vaudou comme un homme. Voilà. Faire péter, au moins il n'y a pas de malentendu. Connasse de même, quoi. Elle est pas morte, cette conne. Elle veut pas crever, quoi. C'est abusé. C'est mort, j'y vais pas, moi, là-dedans. C'est bon. Je crois qu'elle est morte, là. Bon, il n'y a plus personne. Oh, putain, la loose. Ok, nickel. Détends-toi, ça va aller. Ah.
Putain, juste le seul ennemi que je trouve. Et voilà. Voilà pourquoi. Putain, m'a fait peur. Je marque fail to load, j'ai dit non quoi. Tout a pété. Oh, il y a tout qui pète. Désolé. C'était trop tentant quoi. Trop tentant quoi. Ok, petit ascenseur là. I need a key. I need a key. Elle est là. Elle est là, j'arrive. Peut-être changer d'arme. C'est une mission pour... Oh le con. On va tout faire péter comme un grand. En train de faire leur truc de merde là. Bah il y a des voix bizarres là. Oh yes, ça c'est bon ça. Invulnérabilité totale. I need a key. Servi à grand chose. Ah si, je l'ai encore. Autant pour moi. Pas de bibliothèque secrète, si. De toute façon, j'ai la clé, je peux remonter en traite. Ok, c'est parti. Fin du level. Donc là, normalement, direction le boss. Enfin, j'espère. Normalement, ça devrait être le cas. Il y a 3-4 missions et après le boss. Donc, forcément ça. Oula, là, il y a plein de clés. Il y a
J'en ai aucune. Locked. Ah d'accord, donc là le deuxième c'est l'araignée. Et le troisième c'est quoi? Le symbole? L'araignée aussi. Oh putain, d'accord. Wow, tout ce qu'il y a, laisse tomber. Tous les gros là. Pardon. Ok, donc là il n'y a rien de plus par contre, j'ai l'impression. Pas de clé, que dalle. Sans la clé je l'ai ramassée en fait, avec les squelettes. Ah mais y a pas Il doit y avoir un truc que j'ai pas vu. Comment je fais? Si ça soit un endroit dans le level que j'ai pas vu, mais... Ma foi, bizarre. Bizarre. Locked. Ok.
le feu, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est là où il y avait la clé. Il y a forcément un truc là-dedans, mais... Et que dalle. Locked. Ah d'accord. Il fallait juste commencer en fait comme ça. Après c'est l'épée. Et la dernière, c'est quoi la dernière? C'est la lune. Ok, go. C'est la lune, finalement. Ok. Gavage. Putain, j'ai rien pris quoi. J'ai eu sacrément du cul, putain. Ah lui, il craint pas, c'est chiant. Voilà. Look. Avant lui. What are you gonna do? Bleed on me? You. Ah!
J'ai la clé, je monterai pas en haut, c'est mort. Je sais très bien ce qu'il y a. Je sais pas s'il y avait un autre chemin. Non. Est-ce qu'il fallait réellement aller en haut? Putain, fais chier. All I want's a friend. Ça, j'imagine que c'est bon. Et d'une. Et de deux. Et de trois. Non, la dague. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais... Taras. C'est une gruger le jeu quoi. Dégueulasse quoi. Ah.
qu'est-ce qu'ils sont cons. Là. Final part is open. C'est parti. Bah les couilles. Bah les couilles des chiens. Je vais où là? Sauvegarder là parce que c'est bien beau de me dire la partie finale est ouverte, mais ah mais c'est ça la partie finale. Ok. 37 de vie, je vais pas aller loin. Normalement c'est le boss final là. Là ça sent l'arène en carré. Okay, tout le monde la vie, on prend des munitions. PPR, là on est revenu au début. Ok très bien. What? Ah d'accord, carrément quoi. D'accord, donc maintenant il y a des rouges qui se transforment en loup-garou quoi. Ok, la folie. Ils font toujours les hurlements de bronzesque. Sont chauds à tuer quoi. C'est fini? Sérieux, c'est fini? Il y avait que ça? Oh putain, le dernier level, il est daubé du cul, en fait. Il y a rien, quoi. Il y a même pas un gros boss géant ou un truc comme ça, quoi. Ah, le dernier level est daubé du cul. Hein. Je suis deg, quoi. Je suis vachement dégoûté, quoi. Post-mortem. Et après, c'est les maps user... Ah, c'est daubé du cul, quoi, c'est bon, quoi. Bon, et eh ben très bien. Bon, ben voilà qui clôture notre aventure sur Blood, Fridge Supply, qui est un jeu qui a été remasterisé. Donc c'est bien, déjà. C'était vachement sympa, par contre. J'ai beaucoup aimé. Apparemment, ils continuent à faire des mises à jour dessus. Mais je pense que c'est juste pour juste pour fixer certains bugs ou des trucs comme ça. Non, mais sinon le jeu était intéressant. Un bon fast FPS à l'ancienne. Bien, bien old school. Bon, allez, midi 52, je vais aller manger. Bonne journée à tous, bon week-end. Ciao!